الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, qui a accordé à certaines périodes une mérite particulière. Allah a créé le temps et il a accordé un mérite particulier à certaines périodes de l'année. Parmi ces périodes, les 10 jours de Dhul-Hijja, afin que les croyants se saisissent de ces occasions pour augmenter leurs bonnes actions, pour augmenter leurs hasanat, mais aussi pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon et sa miséricorde. Sachez, chers frères, chères sœurs, que nous vivons ces jours-là des moments de grand mérite et des occasions empreinte de spiritualité, de miséricorde et de baraka. Bien heureux sera celui qui prête attention et qui tire profit de cette occasion, de 10 jours de Dhul-Hijja. Ainsi, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja font partie de ces moments privilégiés, propices à l'obéissance. Allah les a privilégiés par rapport aux autres jours de l'année, et pour souligner leur importance, ils jurent, subhanahu wa ta'ala, par ces jours de Dhul-Hijja, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir et d'autres, ils ont dit, il s'agit des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Ibn Abbas, de sa part, radiyallahu anhu, a rapporté ce hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de jour meilleur ou 10 premiers jours de Dhul-Hijja, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'accomplissement des bonnes actions. On lui dit même pas l'effort pour la cause d'Allah, il dit même pas l'effort pour la cause d'Allah, sauf quelqu'un qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne rentrait avec rien. Les savants, ils ont dit donc l'amal salih, les bonnes actions pendant ces 10 jours de Dhul-Hijja sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala et on peut tirer plus de profit que n'importe quel autre jour de l'année, à l'exception de Laylat al-Qadr, bien sûr. Laylat al-Qadr qui fait partie des 10 dernières nuits du Ramadan et qui est meilleure que 1000 mois. Donc c'est une nuit exceptionnelle. Certains savants, ils ont dit, par rapport aux jours, les meilleurs jours de l'année, c'est les jours de Dhul-Hijja. Et par rapport aux nuits, les meilleures nuits, c'est les 10 nuits, les 10 dernières nuits du Ramadan. Idan, nous vivons des jours et des nuits bénis. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani a expliqué dans son livre Fath al-Bari, il a dit... Il semblait que la raison pour laquelle les 10 premiers jours de Dhul-Hijja sont particuliers provient du fait que les principaux rites, ibadat, sont rassemblés. Il y a le Hajj, l'Umrah, il y a Dhikrullah, la prière, le jeûne, la récitation du Coran, etc. Toutes les ibadat, les rites, sont réunis pendant ces jours bénis de Dhul-Hijja. Voilà quelques recommandations pour ne pas tarder. En premier, multiplier le takbir, les évocations, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de multiplier le dhikr pendant ces jours bénis. Sahaba radiyallahu anhum, ils avaient l'habitude de faire de même, de multiplier le takbir et le dhikr pendant 6 mois bénis. Puis il y a le jeûne, et surtout le jeûne du jour de Arafat. Dans les sunan d'Abi Daoud, d'An-Nasa'i et d'autres, selon les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
النبي صلى الله عليه وسلم avait l'habitude de jeûner 9 d'Al-Hijja, les 9 jours de l'Hijja. Bien sûr, on ne peut pas jeûner le jour de l'Aïd. Puis, le jour de Ashura et 3 jours chaque mois, disaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il jeûnait les 9 premiers jours de l'Hijja, le jour de Ashura et 3 jours par mois, disaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectuer le pèlerinage, bien sûr, pour celui qui en a les moyens, qui a la possibilité de le faire, c'est une adoration très importante en islam. D'ailleurs, celui qui fait le pèlerinage avec sincérité et comme il faut, il revient chez lui et Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié de tous ses péchés. Dans un hadith, « Al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza'un ila al-jannah » Lorsqu'on fait le hajj comme il faut, la récompense préparé pour ceux qui font le hajj comme il faut, c'est le paradis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut multiplier aussi les invocations, on a parlé du dhikr, mais aussi les invocations à du'a, et surtout le jour du Arafa. Et on a besoin du du'a pour nous, pour nos familles, et pour tout l'Ummah. Et pour l'humanité aussi, pendant ces moments difficiles. Multiplier la récitation du Coran, car il s'agit des jours bénis où la récompense est multipliée. Donc, parmi les bonnes œuvres, la récitation du Coran. Il y a aussi l'Udhiyah. L'Udhiyah, c'est une sunna confirmée. La sunna de notre père Ibrahim, la sunna de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le but, ce n'est pas la viande, le but, c'est taqwa. Allah, il nous dit dans le Coran, « La yanala Allah, luhumuha waladima » Le but, c'est at-taqwa. C'est pas la viande. Malheureusement, certains donnent beaucoup d'importance à combien de kilos ils vont récolter de l'udhiyah. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est taqwa. La piété, faire l'œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour augmenter nos récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier aussi que taqwa, c'est le but final de toute l'adoration. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Pour le jeûne aussi, peut-être atteindriez-vous la piété. Il faut toujours garder devant nous cette règle essentielle, c'est la taqwa, la piété, le but final de l'adoration. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum li dhikrihi wa husni ibadatihi fi hadhihi al-ayyam mubaraka. On demande à Allah de nous faciliter les choses pour l'adorer comme il faut pendant ces jours bénis de Dhul-Hijja. Il ne faut pas oublier le sadaqa, l'aumône. L'aumône fait partie aussi des œuvres avec lesquelles on peut récolter beaucoup de hasanat auprès d'Allah Azza wa Jal. N'oublions pas aussi silatul rahim, le fait de rendre visite à nos familles, surtout le jour de l'Eid, les 3 jours de l'Eid. Il ne faut pas oublier aussi les malades, les gens qui ont besoin de nous. Au niveau matériel, mais aussi moral. Parce que quelquefois, le côté moral est très important. Ne pas les oublier pendant 6 jours bénis, pendant les jours de l'Aïd. Je termine par ce dua, inshallah, pour ne pas tarder. Allahumma ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, barik lana fil ashri min dil hijjah. Allahumma arzuqna fiha salih al a'mal, waffiqna fiha lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inna fiha ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. اللهم وفقنا فيها لخير ديننا ودنيانا اللهم يا ربي ارفع عنا البلاء وعن البشرية برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.